Bonjour à tous, nous sommes de retour en Andalousie, à Béas, dans le pays du soleil, du partage et des olives. L'huile d'olive est bien l'or liquide le plus précieux d'Andalousie. Elle est devenue indispensable dans la cuisine espagnole. Ici, les variétés de verdial, picual et arbequina sont broyées le jour même de leur récolte. Nos encontramos en la cooperativa del campo San Bartolomé, conocida con el nombre de Oliveas, donde se produce aceite de oliva virgen extra. Todo nuestro proceso es completamente mecánico, ya que se acoge a la normativa del COI, que la extracción tiene que ser en frío, de forma mecánica y a presión atmosférica. Producimos alrededor de 1 millón de kilos de aceite, provenientes de 8 millones de kilos de aceituna. La visite des installations est impressionnante. Et à la boutique, on vous propose de déguster les meilleures huiles d'olive. Que contamos con grandes premios internacionales, nacionales y provinciales. Nous sommes avec Juan Lamera, le créateur de Camper Park El Alamo Béas, l'aire que nous vous avons présenté dans la précédente émission. Dans cette seconde partie, il tient à nous faire découvrir des lieux autour de son aire qui méritent notre visite. Il y a un peu plus de 3000 ans, ce sont les Phéniciens, venus de Phénicie, l'actuel Liban, qui ont implanté la culture de l'olivier dans la région. Juan nous conduit jusqu'ici, un haut lieu de l'Antiquité. Et c'est une découverte qui a été faite tout à fait par hasard en 1923. On suppose que cette structure date de 3000 à 4000 avant Jésus-Christ. Et ici, on l'appelle le dolmen.
domaine de Soto se visite, il est fascinant à l'intérieur et vu du ciel, il ressemble vraiment à une soucoupe volante. Nous sommes de retour à Béas, qui est le point de départ de nombreux circuits de randonnée. Juan nous conduit jusqu'au chemin pédestre des moulins à eau. Nous découvrons un réseau de vieux moulins et d'aqueducs qui permettait d'utiliser la force hydraulique pour fabriquer de la farine. Des habitants de Béas et leur dévotion à la Vierge de Los Clarines. Pour la fête de l'Assomption de la Vierge, le 15 août, le pèlerinage traditionnel rassemble 4000 à 5000 personnes en procession entre Clarines et Béas. Au mois d'août, Béas honore aussi San Bartolomé. L'Andalousie est le berceau de la tauromachie. Nous sommes attendus chez un éleveur de réputation internationale. Muy buenos días, queridos amigos. Marcelino Acosta est un homme affable et passionné. C'est fort quand même, hein? Il nous accueille pour une collation matinale avec une liqueur locale. Il est 10h du matin. François. Que tengamos constancia desde 1813, mi familia se dedica a la cultura de la tradición del toro, del caballo, como complemento natural de un cortijo de labor. El toro y el caballo son señas de identidad en esta nuestra tierra y en esta nuestra casa. Os habla Marcelino Acosta, quinta generación de ganaderos de Lidia.
Tengo la suerte de haberme casado con Lourdes, veterinaria, que le gusta el campo, y ya mis nietas, que tienen 7 y 2 años, las estamos inculcando con su burrito y su mulo para que vengan, enganchen y disfruten del campo. A día de hoy seguimos produciendo trigo panificable, girasol altoleico y garbanzos blancos lechosos de todo de consumo humano, y a la vez pues nuestra pasión, igual que el modo de vida es la agricultura tradicional, la ganadería es nuestra filosofía de vida. Los caballos y los toros es una manera de entender la vida. Esta visita va a costar de ver todas las instalaciones ganaderas, además de la dehesa, donde pastan en distintos cercados toros y vacas, sementales, crías, y hemos empezado por el cerrado de las yeguas y caballos, que son una herramienta necesaria para nuestro día a día en el campo. Venir a vernos. Muchísimas gracias y suerte.